coke, that's what I need. Bonjour à tous et bienvenue sur La Cabine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle découverte musicale. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Bloody Wiper, un groupe de rock yvelinois. Ce quatuor vient nous présenter deux de leurs EP. On laisse place tout de suite à Ballbreaker, issu de leur dernier EP. Come on and breathe close
Bonjour les Bloody Weepers. Déjà, je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. Et première petite question justement, d'où vient le nom Bloody Weeper ? Alors, ça c'est un peu compliqué. En fait, on avait deux autres musiciens avant. En fait, une sortie de concert, on leur a le roulé dessus. Du sang plein les essuie-glaces, ça bouge. Bloody Weeper, on s'est dit, ok, on a un nouveau nom de groupe. Tout simplement. On n'a pas tout perdu. Voilà. Petite question, comment est venue l'idée justement d'un groupe ? Alors, c'est... Vaste question. Oui, vaste question. C'est vrai qu'on se faisait un peu chier et on s'est dit, tiens, si on faisait de la musique. Voilà. Arnaud et Julien jouaient ensemble déjà avant. Puis on a décidé de jouer ensemble. Et puis Thibaut nous a rejoint. Et voilà. Donc on se fait moins chier en fait. Voilà. C'est l'avantage. Comment vous pourriez expliquer votre univers musical à quelqu'un qui n'y connaît pas du tout, par exemple ma grand-mère, qui n'y connaît rien, comment vous pourriez lui expliquer ce que vous faites ? Je ne sais pas si elle va aimer, quoi. Ouais, c'est possible qu'elle n'aime pas trop. C'est du rock indé, quoi. Voilà, du rock anglais, nos influences, c'est un peu ça. C'est un peu le rock anglais. De SF, de films de zombies, de... Voilà. Beaucoup d'univers un peu crasse-pouille, plein de boyaux. D'où les Bloody Weeper. Et pourquoi cet univers, justement, vous plaît-il comme ça ? Ouais, c'est surtout moi. Moi, je suis plutôt bercé là-dedans. Voilà. Donc, c'est vraiment un univers que j'apprécie. Les vieux films des années 60, tout cet univers, en fait. Et quand j'écoutais vos musiques, mon père a reconnu un petit peu des Clash. Mais est-ce que c'est vraiment... quelles sont réellement vos inspirations, justement ? S'il a reconnu les Clash, c'est sympa, c'est ouais. Ouais, merci, ouais, c'est cool. Ouais, pour lui dire merci. Voilà, ça fait partie de nos inspirations, les Clash, les Pixies. Britney Spears. Ouais, plus toi, Britney Spears. Ouais, à la guitare, ouais, c'est plus toi. C'est plus cette mouvance, en tout cas, de rock anglais. Et vous abordez essentiellement du coup les thèmes de l'amour, des morts vivants, de la gueule de bois. Mais pourquoi ces thèmes en particulier ? Et les tueurs en série aussi. Les tueurs. Ouais. Parce que comme c'est moi qui écris les paroles, je fais ce que je veux. Et donc comme c'est des sujets qui me plaisent bien, c'est plutôt ça que j'aborde comme sujet. Plutôt que de parler des petites fleurs, des trucs comme ça. Et est-ce que justement vous avez des thèmes de prédilection ? Comment vous faites pour vous écrivez vos musiques ? Alors pour la musique, c'est un peu comme ça me vient. Voilà. Et puis après, en fait, moi, j'ai une idée. Et puis après, en fait, tout le monde intervient sur le morceau pour justement le concrétiser cette idée. Alors des fois, c'est de la merde et puis on le fait pas. Et puis des fois, c'est pas mal. Donc voilà, comme par exemple celui qu'on vient de jouer. Et après, pour les paroles, c'est soit
pif. Alors, soit je viens de voir un film et je me dis, ah, tiens, c'est une bonne idée. Voilà, par exemple. Ou soit j'entends un mot dans la rue ou je vois passer un truc et je me dis, ah, bah, tiens, c'est une bonne idée. Tiens, ça peut faire un thème de chanson. Vous avez vraiment une part d'instinct et d'improvisation qui est quand même élevée. Non, on n'improvise pas beaucoup. Mais dans votre processus de création, justement, ah oui, c'est, oui, que ça vient... c'est au pif, ouais. Oui, oui. C'est-à-dire que je m'assois et puis on écrit des morceaux et puis voilà. Puis si c'est bien, bah, je les propose. Sinon, En général, on répète pour écrire à quatre. C'est là où finalement il y a le plus d'impro parce que tu arrives avec ouais. un truc. Et puis on fout un beau bordel dessus, puis quand le bordel match, on garde quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. J'ai lu dans votre biographie officielle que votre dernière EP sentait bon le bitume et le pneu. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Alors, il faut demander à son frère, parce que c'est son frère qui a écrit la bio. Voilà, donc on ne sait pas trop, mais comme il y avait un morceau qui s'appelait Death Race, donc La course à la mort, un film des années 80. Voilà, on s'est dit qu'on allait plutôt se baser là-dessus. Enfin, en tout cas, son frère s'est plutôt basé là-dessus. Oui, c'est basé sur ça. Ouais. Pour faire la mini-bio de cette EP. Et pourquoi avoir choisi de nous présenter Ballbreaker qu'on vient d'entendre et Freak Show qu'on va entendre après, justement ? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Déjà, c'est deux univers différents qui viennent des deux EP différents. Ça brasse assez large sur notre répertoire. Donc je pense que c'était plutôt bien de faire ça. Il y a un côté justement très The Clash avec celle qu'on va vous interpréter juste après. Et puis celle-là qui est peut-être un peu plus rendredant. Je trouvais ça plus cool de mettre en scène. Est-ce qu'il y a une musique justement qui vous a marqué par sa conception, un peu insolite par hasard ? Ouais, des milliers. Des milliers, ouais. Et parmi celles que vous avez faites, justement, est-ce qu'il y en a une qui a été faite un peu originalement ? Ballbreaker, ouais, en l'occurrence, c'est Julien qui a ramené le riff. Ouais, qui a ramené le riff de basse, ouais. La première fois, entre guillemets, je pense, dans le groupe où c'était comme ça que ça se passait. Et du coup, bah, ça se sent, c'est plus lourd, entre guillemets. Les autres, ouais. Toutes les autres, ouais, c'est un peu moi, mais c'est vrai que celle-ci, ouais, elle a d'original. On en avait fait une autre aussi où c'était Julien qui faisait. Ouais, il n'y a pas vraiment de règles de composition en fait. Hein. Et quels sont vos objectifs pour cette année ? Qu'est-ce que vous voulez absolument faire ? Un concert, ouais, un concert, ouais, ouais. Aller au restaurant, aller au cinéma, faire des trucs tout bêtes, mais un concert, ouais. Ouais. Donc là, ça fait du bien. Et justement, quel était votre rêve d'enfant ? Est-ce que justement de faire de la musique était votre rêve d'enfant plus jeune ? Moi, je voulais être directeur de supermarché. Je trouvais ça super intéressant. Et puis finalement, j'ai fait de la musique. J'en ai même fait mon métier. Mais voilà, moi, je voulais faire directeur de supermarché. Il n'a rien à dire. Bon, ben voilà. Ouais, c'est bon. Julien, c'était quoi ? Non, tu m'as pris de court là. Je voulais vous remercier, les Bloody Wipers, pour cette interview. Merci à vous. Et donc, on vous souhaite de refaire un concert, bien évidemment. Nous aussi. Et on se retrouve tout de suite après la pub avec un nouveau live des Bloody Wipers. Fuck off, fuck sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. Fuck popo, police, enemy. La pomme, céder à la tentation. La banane, l'art de la tentation.
On se retrouve maintenant pour un nouveau live des Bloody Wipers, tout de suite Freak Show, issu de leur premier EP, Live Session. Peek behind the curtain, be that freak that count for. Let me introduce my monster. Say hello to the lobster. The bubble girl is a drunk girl. What you see? Pour cette incroyable performance et merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel numéro de La Cabine.